On a aujourd'hui un kayak là, avec une certaine déformation sur le côté, probablement dû à un mauvais entreposage. Ce qu'on va tenter, évidemment, c'est de lui enlever cette fâcheuse bosse. Alors, première étape, on va verser l'eau chaude du robinet à l'intérieur de l'embarcation. On en met une bonne quantité, deux raisons. Ça va ramollir là, la coque là, sur une grande superficie. Et deuxièmement, ça donne un certain poids également, là, une certaine pression. Dans certains cas, cette simple opération va suffire là, pour éliminer là, la bosse qu'on a ici. Autre solution également, c'est d'exposer la coque au soleil. Dans certains cas également, ça procure des résultats assez impressionnants. En deuxième lieu, on va utiliser un heat gun. Donc, c'est un fusil chauffant. Et on va chauffer l'extérieur. On ne reste jamais au même endroit. On bouge toujours de sorte à ne pas être trop agressif sur la température. Donc on essaie de chauffer de façon uniforme. Et on exagère également là, la superficie de l'endroit qu'on veut remettre en bon état. L'idée là, est vraiment d'aller atteindre une température là, pour que la coque ramollisse. Et avec le poids de l'eau, généralement, dans le kayak, on devrait déjà voir la bosse là, quand il n'a pas vite. C'est fini. C'est pas évident à une main. Donc on évite évidemment les chaleurs trop extrêmes, il vaut mieux y aller plus tranquillement, de façon graduelle. On dit que le plastique a une mémoire, donc généralement, c'est la date, présentement je n'ai pas touché du tout à l'embarcation encore, je suis simplement allé avec une chaleur intérieure et une chaleur extérieure, mais tranquillement on revoit la forme revenir. Évidemment, je vais y aller de façon manuelle également, avec une certaine pression à l'intérieur de la coque, qui va lui donner une seconde chance. Donc, je vais tenter le coup. Donc, à l'intérieur, je vais aller exercer une certaine pression. Évidemment, l'eau. Est chaude. L'utilisation d'un gant peut également être appropriée. C'est pas si mal. Je pense que là, on y arrive à des résultats assez intéressants. Un petit peu notre résultat sur le côté. On a un kayak qui a repris entièrement sa position. Ce que je conseille dans un cas comme ça, c'est qu'on va reposer le kayak, on va le remettre sur le côté comme là, comme ça. Et puis on laisse la pression d'eau faire son travail.
On laisse l'eau refroidir comme ça, ce qui fait que la coque, elle, va vraiment là, refroidir et reprendre sa position là, dans un état impeccable.